Le livre le plus important pour un entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre le plus important parmi tous les livres que j'ai lus au cours de ces dernières années. Je vous fais une recommandation très très forte pour ce livre si vous parlez anglais et très très forte pour une alternative à ce livre si vous ne parlez que la langue française. Ce livre, c'est Essentialism de Greg McKeown. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essentialisme défini par ce livre de Greg McKeown ? C'est, selon le sous-titre, la poursuite disciplinée pour faire moins. Faire moins, en avoir moins et se concentrer uniquement sur l'essentiel. En fait, encore une fois, comme je vous le disais, je lis en moyenne 1 à 3 livres par semaine, donc j'ai lu plus de 500 livres au cours des 10 dernières années, spécifiquement pour développement d'entreprise, sans compter les romans et autres types de lectures. Et s'il y a un livre que j'aurais adoré avoir lu plus tôt, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, il y a un message central qui est le principe clé de l'essentialisme, qui est que la plupart de nos actions sont superflues et que la majorité de nos résultats nous surviennent uniquement quand on est capable d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel pour l'auteur, ça veut dire savoir à tout moment quelle est la priorité. Et il consacre du temps en fait dans le livre à expliquer ce concept de priorité parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème dans notre société et dans la façon dont nous, en tant qu'entrepreneurs, on gère notre entreprise. Eh bien, notre problème, c'est que nous avons plusieurs priorités. Et comme l'auteur l'explique, étymologiquement, ce n'est pas possible. En fait, priorité, ça veut dire la chose qui vient en premier. Et dès qu'on essaye de faire en sorte d'avoir plusieurs choses qui viennent en premier, eh bien, en fait, on n'a plus du tout de priorité. Ce n'est pas possible. Dès que vous mettez un S au mot priorité, eh bien, si vous êtes un essentialiste, vous êtes en train de commettre un blasphème. Ce n'est pas possible. Donc, la question maintenant, si on écoute le conseil de l'auteur, c'est de se poser régulièrement la question, OK, quelle est la priorité ? Et encore une fois, je vais vous dire que je fais une double recommandation. Pourquoi ? Si vous parlez anglais, il y a 2 livres en fait sur ce sujet de l'essentialisme et de comment définir vos priorités. Il y a ce livre, Essentialism, et il y a un autre livre qui s'intitule The One Thing. The One Thing, ça veut dire la chose unique, mot à mot. Et c'est un autre livre sur le sujet. Personnellement, j'ai trouvé, ils traitent tous les deux du même sujet, ils ont la même force. Personnellement, j'ai davantage apprécié le livre Essentialism, de par la façon dont les idées s'enchaînent et dont elles sont illustrées, peut-être aussi la mise en page du livre, je ne sais pas. J'ai préféré, si vous avez le choix, des livres en anglais, je vous recommande celui-là. Comme ça, je ne fais qu'une seule recommandation et je fais bien mon travail d'essentialiste. Par contre, si vous ne parlez pas anglais, c'est pas un livre facile à lire, pas si facile que ça à lire en anglais si votre anglais est moyen. Mais l'autre livre, One Thing, a été traduit en français sous le titre de The One Thing. Non, sérieusement, ils se sont pas trop foulés sous le titre. Donc, ils l'ont traduit sous le titre de The One Thing, 2 points, passer à l'essentiel. Et donc, je vous le recommande vivement si vous parlez que le français. Comme ça, j'ai recommandé à chacun un seul livre. Et en fait, ça a l'air d'être un principe tellement évident. Vous allez me dire, oui Sébastien, mais bien sûr qu'il faut faire les priorités. Moi déjà, quand je définis mon année à venir, je décide de quelles sont les 12 priorités et laquelle est la plus importante, donc je sais à tout moment. La raison pour laquelle ça vaut quand même le coup pour moi de faire une vidéo et de prendre le temps de vous l'expliquer, c'est parce que même si vous avez défini une liste de priorités, donc déjà, vous n'êtes pas un essentialiste tant que vous avez une liste. Même si dans cette liste, vous avez défini quelle est la priorité prioritaire que vous voulez, qui est la plus importante de la liste pour l'année à venir, par exemple, eh bien, vous n'êtes pas un essentialiste tant que vous n'êtes pas capable de renoncer aux 11 autres éléments de la liste pour pouvoir privilégier celui qui vient en haut, en premier. Une façon dont c'est décrit dans ces deux livres que je vous ai recommandés, c'est le concept de dire, mais en fait, il y a un domino. Si vous imaginez les grandes sculptures en domino qu'on voit quelquefois à la télé quand quelqu'un essaie de battre le record du monde de château de domino et en fait tomber le premier et ça fait tomber tous les autres en série. Je crois que ça dure, le record est de l'ordre de plusieurs heures, je crois que c'est 5 heures de durée totale de chute de domino.
Et en fait, dans ces deux livres, on vous rappelle ce concept essentiel qui est que, en fait, si vous savez identifier quel est le premier domino, la quantité d'efforts que vous devez fournir pour abattre tout le travail est beaucoup plus légère. Parce qu'il vous suffit de faire tomber ce premier domino, de faire cette première partie, cette première tâche qui rend tout le reste beaucoup plus simple, voire même inutile, parce que vous avez éliminé les efforts futurs juste en trouvant quel est le petit effort qu'on doit faire maintenant qui fait que le reste s'enchaîne automatiquement. Si vous prenez l'habitude de dire, mais en fait, parmi les 12 choses que je voudrais faire dans mon entreprise l'année prochaine, les personnes que je veux recruter, les produits que je veux lancer, les partenaires que je veux trouver, les séquences de vente que je veux créer, etc. Si vous prenez le temps de vous dire, mais quel est le projet ou l'action qui va rendre tout le reste de cette liste redondant ou plus facile, eh bien, vous avez gagné un temps fou. Vous pouvez faire en sorte que la quantité de travail que vous alliez fournir dans l'année complète se réduise de 90% parce que vous faites juste l'essentiel. Et cette réflexion-là, c'est quelque chose qui prend du temps vraiment à acquérir. C'est un process qui est important d'acquérir le plus tôt possible dans votre carrière d'entrepreneur. Si à un moment donné, vous vous sentez dépassé, c'est parce que vous ne l'avez pas fait, ce processus. Et ça recroise un sujet que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo qui est la méthode de Pareto, aussi connue sous le nom de la règle des 80-20. Et cette règle dit que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos efforts dans la plupart des domaines. Et le principe de l'essentialisme va encore plus loin et dit qu'en fait, il y a une action que vous pouvez faire qui enclenche tout le reste, qui crée l'effet boule de neige. Et donc, si vous prenez le temps de trouver cette action et de l'exécuter avec excellence, eh bien, le reste viendra tout seul automatiquement. Et ça m'amène donc, pour conclure cette réflexion, à vous amener sur une question qu'on approfondira peut-être dans d'autres podcasts ensuite. Mais cette question, c'est est-ce que vous savez quel est le one thing de votre entreprise? C'est-à-dire, en fait, parmi toutes les choses qu'on fait, tous les produits qu'on fait, tous les types de clients à qui on discute, toutes les activités qu'on fait pour livrer le service, quelle est la chose cruciale, essentielle, qui constitue en fait le cœur de notre activité? Par exemple, dans mon activité de marketeur français, j'ai créé plus de 40 formations de marketing. Je ne parle même pas de mes autres produits, le coaching, la séduction, la salsa, etc. Juste le marketing. J'ai créé plus de 40 formations, produits et services autour du marketing. Pour une formation donnée, par exemple pour la machine à vendre, on fait beaucoup de choses différentes. Les vidéos en ligne, la communauté Facebook, l'échange hebdomadaire avec la séquence de Déjà Vendredi, le coaching mensuel, l'événement présentiel une fois par an avec la rencontre des entrepreneurs libres, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont faites pour les clients, plein de produits différents pour lesquels chacun, plein de choses sont faites. Il y a plusieurs personnes dans l'équipe, il y a plusieurs types de clients à qui on s'adresse, il y a les porteurs de projets qui lancent leur activité, il y a les personnes qui ont une activité sur internet et web entrepreneurs, et il y a les personnes qui ont une activité hors ligne, classique, boutique, vente de produits à domicile et autres. Parmi tout ça, quel est le one thing de l'entreprise? Et en fait, le one thing pour l'entreprise, c'est de transformer, concrètement transformer un porteur de projet en entrepreneur, en entrepreneur libre. Ça veut dire lui donner les compétences et lui créer les résultats concrets d'être un entrepreneur libre. Et ça passe par mettre en place la stratégie marketing qui va vendre vos produits, vendre vos services en automatique, sans que vous soyez présent 24 heures sur 24 à trimer, mais que la boîte travaille pour vous. Et donc, ça veut dire que mon one thing, c'est mon produit, ma formation, la machine à vendre. Mon one thing, c'est ce thème de comment est-ce qu'on on automatise notre marketing pour devenir un entrepreneur libre. Mon one thing, c'est la personne qui cherche à devenir entrepreneur libre, ce n'est pas n'importe quel entrepreneur. Et donc, ça permet de concentrer toute l'activité, tous nos efforts dans une direction unique. Et c'est ce qui nous a permis d'obtenir beaucoup plus de résultats en termes de développement du chiffre d'affaires, nombre de clients qu'on atteint, bénéfices sur notre chiffre d'affaires, qu'il y a quelques années encore, quand j'avais 40 produits disponibles à la vente, qu'on vendait à un peu tout le monde, qui avait plein de thèmes et de thématiques différentes. Donc, la question, c'est pour vous, je vous rappelle, c'est quel est votre one thing pour votre entreprise.